Je pense que la Ravtouni, le bouquet de l'OSF, jusqu'à quand? Il y a la même chose, mais je ne sais pas. Je vais vous dire, jusqu'à quand le Blahavidar? Jusqu'à quand? Ça fait je ne sais pas combien de temps on entend parler que d'elle. Ceux qui la défendent, je pense qu'ils n'ont pas vu le film en entier, c'est-à-dire sans censure. Il dure 4 heures ou 5 heures, un truc comme ça. Elle a fait des scènes osées, pornographiques, clairement, et c'est tout à fait normal que le Maroc ne cautionne pas ce genre de film. Vous savez, les préliminaires, elle les a fait en long, en large et en travers devant des caméras au Maroc. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Là, elle se pavane sur des plateaux télé en disant qu'elle veut aider ses femmes et qu'elle dénonce ce qui se passe au Maroc et machin et machin. Chérie, la prostitution, ça existe partout. Et il n'y a pas toutes les femmes qui décident de l'être parce qu'elles n'ont pas d'argent. Si toi, t'as décidé de l'être, t'as pas à nous mettre dans le même sac que toi. Marrakech, c'est comme ça. Agadir, c'est comme ça. Le Maroc, c'est comme ça. L'Algérie, c'est comme ça. Tous les pays arabes sont comme ça. Tu es en France. Tu crois que la France, c'est quoi? Hein? Tu crois que c'est quoi? Tu crois que c'est parfait? France aussi, ma belle, quand on porte des jupes, on nous traite de pute. En France aussi, quand on va en boîte, on nous traite de pute. En France aussi, quand on traîne avec un mec, on nous traite de pute. Si aujourd'hui t'en es là et que ton pays ne veut plus de toi, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Maintenant c'est cool, hein, t'es connu, reconnu, t'es clamé par la foule, t'es applaudi, tu reçois des prix. Et la vérité, je m'en contrefuse de ce que tu fais. Mais quand tu touches à mon honneur et à mon pays, là à ce moment-là, non, je peux pas laisser passer ça. Marocaines qui n'ont pas d'argent, elles se battent, elles restent dignes, elles tombent et retombent pour y arriver. T'as choisi la facilité, c'est ton problème. Ma sœur n'est pas comme toi, ma mère n'est pas comme toi, ma grand-mère n'est pas comme toi et mes arrière-grand-mères ne sont pas comme toi. Je parle d'une minorité de femmes et les prostituées, il y en a dans tous les pays. T'as qu'à sortir à Paris, t'as qu'à sillonner les rues de Paris et tu vas en trouver, t'inquiète pas. Liberté, égalité, fraternité. Ma chérie, la France ne respecte pas ses principes républicains et tu le comprendras tôt ou tard. L'islam aujourd'hui dans le monde, c'est la religion à abattre. Et là, t'es vraiment dans le pays qui veut l'abattre. Les musulmans, du moment où on croit en Dieu et en son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après, on fait l'erreur de juger, mais je ne suis personne pour te juger, tu fais ce que tu veux. Mais si tu veux vraiment aider ces femmes, il faut venir sur les terrains. Il ne faut pas aller salir notre réputation. ولكن بزاف ديال الحوايج ما كنتش حاميهم في فرنسا والصراحه جو بريفير هادشي اللي ما عجبنيش في المغرب على داكشي ما عجبنيش في فرنسا اي ما تجري تمشي فين ما بغيتي ما عمرك ما تحسي راسك في بلادك وفي فرنسا tu seras toujours considéré comme une étrangère وزيد عليها داك لاكسون الزين اللي عندك je te fais de gros bisous الله يطلق في فرنسا وخليهم يلعبوا بك كيما بغاو تام بون بيون